Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voudrais te souhaiter une bonne année 2018. Et ensuite, on va parler aujourd'hui des objectifs de la chaîne pour cette nouvelle année. Donc j'ai deux objectifs cette année. Le premier, ça serait d'avoir 1000 abonnés en décembre 2018, du coup. J'ai ouvert cette chaîne pour pouvoir partager en fait mes connaissances et échanger avec vous sur le zéro déchet. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Pour moi, tout le monde devrait avoir accès à la connaissance. C'est juste hyper important dans ma vie. Et du coup, voilà, je me fixe un petit objectif de 1000 abonnés. Sachant que là, en janvier, on est 198, je crois, au moment où je tourne cette vidéo. Donc je me dis, en un an, on peut peut-être atteindre les 1000. Donc si tu veux m'aider, abonne-toi. Et le deuxième objectif pour cette chaîne, c'est de faire 52 vidéos en un an. Ça fait environ une vidéo par semaine. Ce qui est parfois un petit peu dur de filmer, monter et trouver des idées de vidéos tout le temps. Même si des idées, j'en ai plein. Mais c'est parfois compliqué de les réaliser en fait. Comme on voudrait... Voilà. Du coup, pour ça, j'ai quelques projets. Donc il y a le projet 30 déchets, 30 vidéos que tu connais, qui a commencé l'année dernière et qui va se disperser sur toute l'année 2018. J'ai déjà fait quelques vidéos pour ce projet et je veux vraiment atteindre les 30 fin 2018. Mais ça va vraiment se disperser sur toute l'année. Mais je vais aussi te faire d'autres trucs comme des tests de produits que j'ai achetés et que j'utilise au quotidien, notamment la Quetch. C'est une bouteille que j'ai reçue en cadeau lors des pique-niques zéro déchet, la tournée des pique-niques de Laetitia. J'ai reçu, enfin j'ai gagné en fait cette Quetch, un concours. Et du coup ça fait presque... je l'ai depuis septembre, puisque je l'ai gagné au pique-nique de Paris. Et depuis septembre, je la teste, je l'utilise super souvent et du coup, je voudrais vous faire une petite revue de cette gourde. Mais aussi, par exemple, des post-it réutilisables. Des post-it réutilisables de la marque Why Not que j'ai reçu en cadeau de Noël. De leur carnet aussi que j'ai depuis plus d'un an. De tout plein d'articles zéro déchet qui peut toi t'aider et qui sont super cool. Je voudrais te faire aussi des vidéos très courtes sur des petites astuces que j'utilise dans ma vie en fait. Petites astuces zéro déchet de la vie de tous les jours. Donc pour ça, si tu as des idées, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires à chaque fois. Si tu as des questions ou des idées de vidéos, n'hésite pas à me le dire. Les questions, j'y répondrai, il n'y a aucun souci. Parfois en vidéo, parfois directement... sous ton commentaire ou sous ton message, si tu veux m'envoyer des messages ou des mails, il n'y a pas de souci. Je regarde derrière en fait, puisque j'ai mon énorme tableau avec toutes mes idées. Je veux aussi continuer à te parler des entrepreneurs zéro déchet. Je trouve que c'est hyper intéressant de voir comment ils en sont arrivés là, comment ils ont fait. Je suis moi-même créatrice d'entreprise, donc les expériences d'autres entrepreneurs, c'est quelque chose que j'adore regarder. Et là, dans la thématique zéro déchet, c'est encore mieux. Et toi, ça te permet de connaître que ce soit des marques, des parcours aussi. Les parcours de vie sont toujours hyper intéressants et des super produits. Donc je vais continuer les interviews d'entrepreneurs. Il y a plein d'autres petits trucs comme ça que j'ai envie de te montrer. Et aussi quelques livres. J'en ai mis 2-3 là. Mais je pense que je vais te faire plusieurs vidéos sur ce super livre que Laetitia m'a envoyé. Et je pense que ça serait un petit moyen pour nous découvrir entre nous en fait. Toi et moi, on répond aux questions et c'est un moyen de se découvrir. Et surtout, j'adore ce livre. J'adore. Il est tellement bien. Tu risques de le voir souvent dans le décor.
Et il y a les autres livres aussi. Il y en a beaucoup là, je vais pas tous les dire parce que ce serait trop long et en plus tu y vois en fait. Je pense te parler de ces livres que j'ai lus et qui me plaisent beaucoup, que j'utilise encore de temps à autre pour trouver des recettes, des astuces, super recettes, avec celui-ci qui est vraiment ouf. Pareil, je l'ai reçu à Noël et j'adore, il est vraiment trop bien. Mais c'est sûr, je vais t'en parler. Voilà, si tu as d'autres livres que tu veux que je lise et que je te parle, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires aussi. Et voilà, c'est les objectifs pour la chaîne. Donc si tu veux m'aider à réaliser ces objectifs, abonne-toi, comme ça on atteindra plus facilement les 1000. Active la cloche, comme ça tu sauras à chaque fois qu'une nouvelle vidéo va sortir et il y en aura 52 cette année. Je te dis à bientôt et je te souhaite une bonne journée sans déchets. Bye!